Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur le pivoting. Elle sera constituée de plusieurs vidéos qui sortiront chaque semaine. Alors c'est parti, on commence par la première vidéo de la série qui sera la plus courte. Qu'est-ce que le pivoting? Le pivoting, c'est le fait de passer par un ou plusieurs ordinateurs distants pour effectuer des opérations depuis sa propre machine, ce qui peut permettre de contourner des pare-feux, de se cacher dans le réseau, ou encore d'accéder à des réseaux auxquels vous n'auriez pas accès depuis votre machine, mais que la machine que vous auriez compromise si. Maintenant, imaginons qu'on est dans un lotissement, et vous êtes la maison A. À côté de vous, il y a la maison B. Et à côté de la maison B, il y a la maison C. Maintenant, vous avez besoin de sel. La maison C a du sel. Donc, vous ne pouvez pas communiquer avec la maison C. Vous allez passer donc depuis la maison B, qui va, elle, demander à la maison C si elle a du sel. La maison C va répondre à la maison B qu'elle a bien du sel. Et la maison B va vous dire que la maison C avait du sel. Ça, c'est le pivoting. Maintenant, imaginons que vous êtes la machine A. Vous avez compromis la machine B. Vous voulez effectuer un scan du réseau de la machine B, parce que depuis la machine A, vous n'avez pas accès, c'est un réseau interne. Vous allez pouvoir faire un Nmap. Avec le pivoting, ce Nmap va s'effectuer sur la machine B, donc vous serez sur le réseau de la machine B. Vous allez pouvoir scanner l'intégralité de ce réseau alors que vous n'aviez pas accès depuis la machine A. Ça, c'est le pivoting. Sur la prochaine vidéo, on verra comment faire ça avec Shizel. Je vous dis à bientôt. Et bien sûr, n'oubliez pas la cloche, le follow, le like, les commentaires, la totale, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos.